Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Allez, allons-y. Bonsoir, Sam. Allez, s'il te plaît. Oh, merci. On continue. Je me souviens plus du tout ce que je devais faire. Je devais pas aller à l'autre bout de la map, que ça m'avait gonflé. Si, hein. Oh oui, la sieste fut excellente. La sieste fut magnifique. Où suis-je censé aller? Ah oui, de l'autre côté de la rivière, c'est ça. Allez, cours, mon vieux. On n'a pas que ça à faire. Hop, 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 hop. On a déjà été dans la boîte? Oui. Dans la boîte. La map, déjà, c'était comment? C'est ça. Non, non, non. Où suis-je? Je suis là. Et je dois aller au camp de scout. Ok. La sieste fut un régal, je dois dire. J'ai très très bien dormi. J'en avais besoin. Il est où le chemin? Il est où le chemin? J'ai perdu le chemin. Ah, bordel de cul, c'est mal foutu. Ah! Ok, je suis sur le bon chemin. Tout va bien. Tu as l'air extrêmement proche de ton micro ou bien j'ai le son plus fort que d'habitude. Je peux l'éloigner. Voilà. Je l'ai éloigné. Effectivement, j'étais un peu plus proche que d'habitude. Ah, ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment je fais déjà? Oui. Ah. Bizarre. Il y a des mecs qui ont essayé de traverser en motoneige. Après, j'ai l'impression que le jeu est pas suffisamment fort. Ah, laisse-moi, hein. Laisse ma souris tranquille, hein. Je vais pas laisser ma souris tranquille. Oui, ma souris. J'ai perdu ma souris. Ah, fuck. Ok, d'accord. Bah oui, mais échappe, t'es mignon. J'ai plus de souris. J'ai pas de souris. Oui. Ben moi non plus, mais c'est un problème. Du coup, je sais pas aller régler mon stream, mais ça c'est un vrai problème. Mais non, mais sérieux? Je peux même pas fermer le jeu du coup, rien. Ah, attends, si je fais pause. Pause. Ah voilà, c'est mieux. Effectivement. Hop. Ah. Donc elle a dit, je sais où t'es. Ok. Donc je vais reprendre ma map, encore une fois. Juste pour savoir si je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Très bien. Je peux passer par là. Censé être un chemin, ça, bordel de merde. Ah oui, d'accord, oui. Le camp. Concassé, impossible de traverser ici. Deux. Super.
The ravine. Where is the ravine? Okay. C'est un chemin, ce petit chemin. Eh non, pas par là. Pas par là non plus. Pas par là non plus. Mais ça va être sympa. Par là non plus, visiblement. Bon. Il n'y a pas un endroit où je peux aller. Non. Mais marche plus vite, mec. T'es lent. T'es extrêmement lent. Non, non plus. Mur invisible. Arbre visible, mais qui m'empêche de passer comme un mur. Marche plus vite, mon Dieu. Non, je peux pas. Je peux pas monter là, bien sûr, mais bien évidemment. Pourquoi je pourrais? Hello. Quoi? C'est sérieux là? Où tu veux que j'aille? Tu fais quoi? Bah, j'essaye d'aller vers un camp où je suis censé aller, mais le pont est cassé, donc je dois trouver un autre accès. Sauf que là, ça fait un bout de temps que je marche et je vois rien. Enfin, ça fait un bout de temps. À l'échelle de la map, ça fait un bout de temps que je marche. Je suis en train de fortement m'éloigner. Mais à part ça, tout va bien. Ah, d'accord. Je suis censé y aller par là. Et je peux pas y aller par là. Bah non. Là. Je suis où là sur la map? Ah, je suis à l'opposé. D'accord. Non, on va revenir en arrière. Ok. Je suis revenu au pound. Ok. S'il sait pas enjamber une rivière, bah non, c'est surtout qu'il sait pas enjamber un tronc d'arbre en plein milieu de la rivière. Mais oui, il y a plein de trucs que tu peux pas faire, c'est assez énervant. C'est assez gênant. Donc on va essayer par là, hein, ma foi. Je vois pas comment faire sinon. Mais là c'est là où j'ai été tout à l'heure, non? Y a pas deux? Non, là j'ai pas le droit d'y aller. Ah. Je peux monter sur ce chose? Ouais, non, c'est là où je suis allé tout à l'heure, donc je ne peux pas. I can't. Je peux pas. Oh, mur invisible! Oh non, 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 tu n'as pas le droit. Ah non, mais là je vois pas par où je peux aller du coup. Hein. Excusez-moi, hein, monsieur, dame, mais. C'est...
Non, là j'ai pas le droit non plus. Là j'ai pas le droit. Dès qu'il y a des caillasses, j'ai pas le droit. Donc ça va nous. Ça va être problématique cette affaire. Ah non, là je suis revenu au machin là. On dit par le ravin, moi je veux bien, mais tu me laisses pas y aller dans le ravin, mec. Là c'est là par où je suis arrivé. C'est la river. Ah, faut que je repasse par la rivière. Bah oui, je suis con. Bah oui, mais non, je peux pas. Si, je peux. Non, je peux pas. J'ai pas le droit. D'accord. Oh la vache. Il y a peut-être des jambes de bois. Ouais, peut-être, oui. Voilà, visiblement, il a réussi, donc. Je peux pas accéder par là. Non, là, non, mais là, vraiment, je vois pas du tout où je peux aller. Par où je peux y aller? Tu veux que je remonte tout le cours de la rivière, mec? Oh, attends, ça va être chiant. Bon, bah, on y retourne. Non, mec. Ah! Allez, on se dépêche. On s'active un peu, monsieur, s'il vous plaît. Le problème, c'est que je vois pas où. Je vois pas où. On va trouver. C'est obligé, sinon le jeu s'arrête là et ça aurait été un stream très court. Et c'est que ça? Il est là ton ravin de merde. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? C'était quoi? Ah bah voilà! Putain, tout simplement. Aïe. Ok, on y va. Oula. C'est là que je suis censé trouver des pompiers? D'accord, mais je suis censé faire quoi ici, moi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une note. Station. Holy crap. Keep reading.
And now we find out there's a research site out here that we don't know about. What are they researching? Je sais pas, moi, ma poule, qu'est-ce qu'ils research ça j'imagine qu'ils doivent tenir compte des inquiétudes manifestées. Répondre, oui, d'accord, mais qu'est-ce que... Tu veux jouer un peu plus fort? Oui. Je peux. Hop, voilà. I'm freaking out here. At least we know there is something real happening behind that fence. I think that we should consider that maybe this is all just a coincidence, but my gut says that there is something bad going on. Mine too. Okay. So what's next? I'm gonna do a scan for supplies and then figure out a way to get back over that ravine and hike towards the site. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. Il faut que je trouve du matos. D'accord, il y a un mât, ok, très bien. Ah ah ah, je vois une hache. Je peux pas la prendre? Ah merci. Voilà. Une hache, c'est bien. Il y a des bruits bizarres. Vieil abri, il y a que dalle dans le vieil abri. Ah 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 ah. What? C'est un bouquin? Ok. Je m'en fous. J'ai pas envie de bouquiner. Allô? Allô? Voilà, merci. Là, y a rien. Nope. Et dans celui-là, je peux même pas aller dedans. Bon, ça c'est clair. Ils ont un abri avec un arbre au milieu, bien sûr, mais évidemment. Bien entendu. D'accord. J'étais pas censé trouver autre chose, genre, je sais pas, une corde ou quoi. Non. Rien. Nothing. Il y a quoi là-bas derrière? Il y a quelque chose? Il y a un petit chemin? Il n'y a rien d'extraordinaire. Ok. On ne monte pas sur les rochers, monsieur. Voilà. La 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 la. La 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 la. Ce petit chemin qui sent la noisette. Bon, je pense que j'aurais pas mieux qu'une hache. Est-ce qu'il va falloir que je me défende à coups de hache? Ça va être chaud. Non, ça me fait revenir au camp, d'accord. Hey, merci. Impossible de traverser ici, sans déconner. Mais putain, arrête de te coincer dans les planches. Mec. Longue chute. Non. Bah non. Je vais pas faire ça. Faut que je reconstruise un pont ou comment ça se passe là? Je peux pas sauter là, sérieux? Sérieusement? Ah ah, quoi? Arbre endommagé. Ah bah voilà. Oh la vache, t'as l'air d'avoir autant de force que moi, mec. Ah bah franchir, hein. Voilà. Et donc là, maintenant, je suis censé retourner tout en haut de la map. J'ai galéré parce que c'était un... Quoi? Dans Marvel's... Star-Lord bloqué par une plaque au sol sur un chantier. Il y avait juste 3 cm, il pouvait plus le passer. On entend des bruits de villageois Minecraft derrière toi? Non.
On entend l'inquiétaire en stream, plus exactement. D'accord, vas-y, dis-moi ton idée. Ouais. Hein? Je vais où là? Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. D'accord. Sympa. Suspense. Oh putain, c'est poil. C'est des branches qu'on a sur les jambes. Lila, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Non. You can do me for a trip out of here. I don't care if it's on horseback or a helicopter or in a canoe. Just get me out of here. Henry, we have work left to do. Let's chat about what's bothering you and you'll feel better. Are you serious? Let's talk. Okay? Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Oui, il y est toujours. You know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great, just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Oui. Sure, it's the, No, you don't need to tell me, just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Okay. Allez, à Cottonwood Creek. D'accord. Voyons notre carte. Ah bah c'est là où j'étais tout à l'heure. Ok. Alors, je pense que tout cela est complètement codé et voulu, hein, bien sûr. En fait, on nous écoute. À notre radio, il y a quelqu'un qui écoute. Oui. Donc, bah, du coup, je pense que la madame se sent obligée de nous parler en code. Voilà. Putain, la vache, ce feu, il vient en fait de la fumée, hein. Bordel de merde. Alors, vu d'ici, je dois aller vers où? Je suis dans quelle direction? Je dois aller presque à mon opposé. Je dois aller au sud. Je dois aller au sud. Je dois donc aller à ma gauche. Par là! Bah non, pas par là. Par là! Voilà. Mieux. Wow. Eh, ça vient cramer jusqu'ici. Pas bien, ça. Ça craint.
Tu n'avais pas cet élément? Eh bien, si. La madame nous parle de façon codée. Il y a beaucoup de fumée, hein, ça fait un peu flipper. Allez, on y va. Est-ce que c'est les messieurs qui sont dans le truc grillagé qui ont déclenché le feu? Salaud. C'est peut-être ça. Salopard. Donc là, il faut que j'aille par là. Voilà. Oh, c'est bucolique. C'est mignon. Et voilà le gros arbre que j'ai vu tout à l'heure. D'accord? Et qu'est-ce que tu veux que j'y foute à cet endroit-là, madame? Tout ça est très joli, mais... What else? Je peux traverser la rivière? Je peux traverser la rivière. Incroyable. C'est très joli. Et c'est encore une rivière qui finit dans du rien. Évidemment. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que je suis censé y faire ici, au milieu des fleurs et tout? C'est très bien, mais... Que se passe-t-il? Pourquoi je dois venir ici? Qu'y a-t-il? Pourquoi elle m'a fait venir là, elle? Oui, Cottonwood Creek, merci. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Non. It must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, ok. Elle est où cette foutue boîte? Elle est où la boîte? Je ne vois pas la boîte. Un ski. Un ski. Ok. Elle est où la boîte? Je veux la boîte. Non. Je veux ma carte. Voilà. Ah merde, putain, elle était là où je... Ah! Elle était là-bas. Ah oui, je l'avoue. Effectivement, j'étais juste à côté. Alors, on a dit... 5, 6, 7... Oh. Alors... Copier les infos, allons-y. Ok, et quoi d'autre? Ah! Bien ouais-je! Nouvelle radio! I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Ah! No problemo. Whatever these people are doing is illegal, right? We need to find out how they're doing it. Why? What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious?
Ah putain, il te faut quoi comme autre preuve, mec? How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? You know that I'm scared. None of it makes any sense. Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Mm-hmm. I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Look, I'm headed back to the gate. Now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Je me souviens plus. Il est où le petit chemin? Le petit chemin. Qui sent la noisette? Non, 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 Marie, tu te vautres. C'est par là-bas. Ouais. C'est par là. Là. Voilà. Juste dire, who the fuck is on this frequency? Si ça se trouve, c'est un amateur tombé dessus par hasard. Alors non, 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 probablement pas. Puisque le mec quand même a copié nos conversations, s'amusait à les réécrire, etc., etc. Donc c'est pas un accident, c'est pas par erreur. Et c'est un petit peu flippant. Parce que du coup, en plein milieu de notre secteur à surveiller, maintenant, il y a une zone totalement grillagée. Qui est apparu de nulle part. I just thought of something not, not great. Quoi? What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Et? Transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Hey. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. Oui, c'est juste un psychopathe. Effectivement. Alors. Where are we? On est revenu là et on doit aller à Wapiti. Wapiti, 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 Wapiti. Eh ben, on est sur le bon chemin. Alors, allons-y. Non, je m'en fous de ça. Eh, qui c'est qui a ouvert ça? Personne n'est censé ouvrir ça. On est d'accord. Carte. Continuer sur ce petit chemin, sur celui qui va tout droit ou celui qui va à gauche, ça change pas grand chose. Ok, on y va. Alors non, c'est pas un bruit étrange, c'est un cerf qui brame. On se calme. Eh, hey, coucou Janis! Foutu cerf! Putain de crabe!
Je crois qu'il a un problème. Oui, je voudrais... Voilà, merci. C'est le brame d'un cerf, ça? Alors, je crois que oui, il me semble. Ça peut ressembler à ça, je crois. Il me semble. On l'attache? Où ça? Droit devant? Ah oui. Okay. La 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 la. Ayant grandi près d'une forêt, je confirme. Merci Janus. C'est un bruit à la fois impressionnant et étrange, effectivement, le brame d'un cerf. Saloperie de cerf. C'est con un cerf quand c'est en période de rut. Pas sûr que ce soit beaucoup plus intelligent en dehors de cette période-là, mais... Ils se mettent sur la gueule, quoi, tout le temps. Est-ce que c'est bien, bien recommandé, quand même, d'aller au milieu de ce foutu feu à la con? Où suis-je? Très bien, je continue. Attends, je vais dans quelle... Je vais dans quelle direction, là? Ah ben non, mais je vais dans la mauvaise direction. Attends, là, je vais vers... je vais vers le sud, alors qu'il faudrait que j'aille vers le nord. C'est bien ça? Ah bah oui, mais non. Je vais de l'autre côté. Comment je mets ma boussole, déjà? Non, je veux pas faire une photo. Dégage! Je veux pas faire une photo! Oui, ma boussole. Ma boussole. Ma boussole. Ma boussole. Merci. Donc voilà, je dois aller par là. Je me suis vautré. J'aurais pas dû descendre dans le ravin. Ça m'apprendra. J'aurais pas dû descendre. Voilà. Hop. Non, faut que je recule, évidemment. Je peux, s'il vous plaît, avoir la commande pour escalader. Merci. Ah. Elle est haute, cette... Et là, la corde casse. C'est bon, mec, on peut y aller. Ouais. Donc on va plutôt par là ou par là. Plutôt par là, je dirais. Je suis peut-être encore en train de me vautrer, hein, mais tant pis, on va voir. Ben là, je vais arriver au lac, c'est ça? Ouais. Là, c'est le lac. Le lac! Il faut que je continue par là. Zbloop. Essaye. Je crois que c'est ça. Ah, je peux grimper là, à gauche. Où ça? Descends la carte, descends la carte. Ah, par là. Ha ha ha. Oui. Point d'attache, bah non. Si? Bah si, bah si Marie, si. Si, 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 c'est là que tu veux aller. Je crois. C'est bien là que je veux aller. Allez, hein! Hé, hey, coucou Roxane! On va peut-être arriver au bout de ce jeu. Finalement. Mais vas-y, mais mon, dépêche-toi.
Donc, est-ce que c'est un psychopathe? Est-ce que c'est un... Comment... un complot gouvernemental? Et là, je commence un peu à flipper. Ok. Ah bah, je veux lire. Note à l'attention du personnel de Wapiti. Si vous essayez de joindre le docteur Simon, s'il sera sur site du 15 août au 15 octobre, l'équipement de l'université est sous la responsabilité du docteur Johnson. L'équipement du gouvernement est sous la supervision de Kat Ferdinand. N'oubliez pas que la zone est contrôlée et qu'il faut signaler immédiatement tout problème, dysfonctionnement ou infraction. What the fuck? Je me suis fait piquer par une abeille! Bon, on va pas rusher là par contre. Hein. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? What is this? Ouais, un petit MK Ultra? Ah non, c'est un arbre, tout simplement. D'accord. Ça devient sombre et j'aime pas ça. Alors, en même temps, en plein milieu d'une forêt où ça crame régulièrement, c'est pas très safe quand même pour installer un complot gouvernemental. Ah! Hein? C'est pas gentil! Essaye de me faire peur. Oh, une antenne! Ah, c'est pour les petits hommes verts. Je le savais. Je le savais. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. They could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Bon, on continue, hein, mon grand. Bon, par contre, ça commence à scintiller très très fort, là. Hein. T'as pas mis les alertes? Si. Bah, moi, je l'ai entendu, l'alerte. Oui, l'alerte est allumée. Oui. Mais pas les autres. Ah ouais? Ah, attends. Effectivement. C'est bon. Ça fonctionne. Ça rappelle un peu Outlast 2 et le village qui sert d'expérience à grande échelle. Ouais. Oh no. Ah, bonjour. Quadrillage au sol. Doing something with the soil out here too. It's all gritted off. Who knows what else they're up to? And there's all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. In their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. That look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Toi, tu vas te prendre un coup derrière la tête dans deux secondes, là, tu vas voir. I found their main monitoring desk. My God, what do you see? Seriously, at this stage, I believe just about anything. The barometric.
barometric pressure, too. Maybe it's just a diversion. Ouais, enfin... Qu'est-ce que je lui ai pas dit? Émetteur récepteur, je lui ai dit. Ok. Commence à faire nuit là, j'aime pas trop ça, hein. Boîte renforcée. Ah bah bien sûr que je vais l'ouvrir. What? I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear, like, a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy... Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. Yeah. You're gonna take it, right? Yeah, of course. Okay. Si tu veux, hein. C'est bien parce qu'en plus il y a le mode d'emploi dessus. Calmez-vous. C'est bon, tu vois, ça marche. Non, là, il n'y a rien. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Et ça, je l'ai déjà dit. Stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. Ah. Mais non. Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. Stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? You have a boyfriend, Javier? What the fuck? Wish you hadn't left that out. I don't. I didn't. This is insane. I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Ouais, non, on va pas faire ça. Think about it. Worst case scenario. Delilah. What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain, or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah, maybe. My God, Delilah, no. No way. Well, maybe it's not the best idea. Non, sans déconner. Definitely not the best idea.
It's all right. I'm just going to hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Moi, je les prends, tes rapports à la con, là. Je le garde, hein. Oh. Et genre, là, il n'y a personne qui va se pointer. C'est tout de même très étrange, tout ça, hein. Genre, il y a personne qui va me mettre un coup de... C'est... Si vous êtes surveillé, ils s'attendaient vraiment à ce que vous caliez que dalle, alors que c'est un endroit dans lequel vous êtes censé patrouiller. Je dirais à un moment, ils sont complètement cons, ou... Comment ça se passe? Oups! Ah! Ah oui, non, mais là, ça crame franchement, là! Henry, I think there is smoke coming from north of Jonesy Lake. That is suspiciously close to where you just were. Do you see it? Jesus, okay, yeah, I see it. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. D'accord. Une petite grillade, un petit barbecue, tranquille. On va dire ça, hein. Qui nous écoute? Jette ça, quoi. Mais quoi, le récepteur d'ondes? This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, oui. What could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Don't do that. I know, I know. Everything has gone to total shit, but
You gotta live a little. You gotta allow, Hank. No, no, you're right, Dee. I can't think of any good reason why you wouldn't want your decision-making inhibited right now. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is... Oui, je sais qu'on entend bien l'inquiétera, mais là... Ça brise un peu l'ambiance, bah oui, bah... Pardon. Ça veut dire qu'il y a deux feux ? Là, je pige rien. Putain, ça doit être irrespirable avec toute la fumée qu'il y a. D'accord. Ils sont où mes chiottes là? Ah, ils sont là. Waouh, c'est tout cramé. Non, c'est pas par là. Clairement. Donc c'était de l'autre côté. Je crois pas que ce soit un volcan qui est en éruption éternellement. Non, effectivement. Donc ça veut dire qu'avant ce virage-là, il aurait fallu que je continue tout droit. Si je dis pas de conneries. Yes. C'est bien ça. Faut que je descende. Ouais. Un peu le signal là, non? Ouais, non. Non. C'était pas là. C'est un peu chiant. Le bip 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 dans mes oreilles. Il y a un bip 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 dans mes oreilles. Mais j'ai essayé d'aller par là. Il m'a dit d'aller me faire voir.
par là. Allez, grouille-toi, mon vieux. Je perds encore le signal. Non, par là, j'ai pas le droit, si. Ah non, c'est pas là non plus. C'est ultra chiant. Les gars, ça va exploser. Attends. Où suis-je ? Qu'est-ce que ça veut dire W ? Faut que j'aille à l'ouest ? C'est ça. D'accord, mais... Ah ! Ah bah là, oui, là, ça va continuer à faire bip 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 bip, hein. Désolé... Sur Satan. Toujours plus agréable qu'une musique de Joule. Bip 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 bip. Bon, si j'ai bien... J'ai eu ton avis sur la question. C'est de la connerie. Ouais, on va continuer par là. Je peux pas aller par là, bien sûr. Mais il y avait un chemin. Mais je suis pas cinglé, il y avait un chemin normalement. Attends. Non, 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 non. Il est où le chemin ? Ah, il est là. Mais je peux pas y aller là. Tu veux que je fasse quoi si je peux pas y aller? Ouais, mais bouge de là. Il est coincé ce con. Allez. Je peux pas y aller. Et les murs invisibles de ta mère. Y aller, et puis machin, et puis c'est coincé, et les murs invisibles. Je peux pas aller par là, on fait comment? Bien joué, Janus. J'aurais pas dit mieux. Bravo.
5E, ça veut dire quoi? Ouais, au nord, d'accord, merci. Sud-est, ouais. Comment je me casse d'ici, putain? Il faut que j'aille plein nord, c'est ça? Ce que t'es en train de me dire? Et c'est pas mal. Attends. C'est où? Oh putain, puis qu'est-ce que t'es lent! Et je suis encore coincé. Et là aussi. Vas-y, mais va te faire foutre, ce putain d'endroit. Bon, allez, dégage la carte, j'en ai ras le bol. Ouah, mais... Non, mais bloqué par une branche de 10 cm, quoi, ça commence à bien faire. Je vais aller plein nord et puis on verra bien. Hein. Puisqu'apparemment, je dois aller vers le nord. Où est ma boussole? Ma boussole? Ma boussole? Non. Nord-ouest, formidable. Sauf que j'en veux pas. Ma boussole. Mais non, putain de merde. J'ai plus de boussole. C'est génial, magnifique. Donc je retourne dans votre camp de merde là. Je suis vraiment. Ok, on est plein nord. Go go gadget. Évidemment que je peux pas aller plein nord. Parce que sinon c'est trop facile. Si je peux. Quand même. J'avais déjà vu celle-là? Oui. C'est possible avec la carte qui est oui. Merci. Et oh putain la vache, mais la longueur de cette paroi, bordel de merde.
Je vais faire le tour de la map. Littéralement, je vais faire tout le tour. Ah, carrément, elle fait plus bip bip. Je suis suffisamment éloigné pour que ça fasse plus bip bip. Bien. Super. Ben là, je vais au lac. Ok. Donc là, j'ai plus rien. D'accord. Non. À quel moment j'allais directement au nord? Comment j'ai pu me retrouver là? Chiant de pas avoir de boussole. Par où faut que je monte déjà? C'était avant. C'était avant. Ouais, c'était par là. Ah, fait plus bip bip, hein. Du tout, du tout, du tout. Hein. Rien du tout. Il n'y a plus le bip. Ouh. Mais ça, c'était avant. Ouais, bah oui. Je piche pas. Pourquoi je peux pas. Je peux pas. Bon. Autre idée. On va reprendre le canyon. Non, rien à voir, choucroute, c'est pas par là que je suis arrivée. J'arrive pas à résoudre cette énigme. Oui, mais avez-vous essayé de vous énerver dessus? Eh ben non, pour l'instant, je m'énerve pas, ça va. Ça va finir par m'énerver, mais là, pour l'instant, ça va, je jure. Je voudrais juste que ça se remette à faire bip bip. Ça m'arrangerait. Que je sache que je suis dans la bonne direction. Sinon, j'aurais véritablement fait le tour de la map. Ah, cette animation, bordel. C'est moche. Ah! Bip, bip, bip. Ça refait bip, bip. Je peux aller par là? Oui. Je l'avais vu cette boîte? Oui. Ressors-moi le truc. Allez, accélère, mon loulou. S'il te plaît. Hein? Je veux pas aller par là. Je veux pas aller par là, ta mère! Je vais aller de l'autre côté. C'est quoi la petite baraque là? C'est encore des chiottes? Ah oui, je m'en rappelle.
on fait bip bip, s'il te plaît. Oh, il passait ma vie, nom de Dieu. Bip bip. Il n'y a plus rien. Le tour de la map, donc. Non, j'ai pas le droit de passer par là, bien sûr. Si ! Oh, incroyable. Longue chute. Alors, ouais, longue chute pour aller où ? Pour aller là-haut ? Non. Non, je suis totalement paumé. À quoi ça m'a servi de tomber là, du coup ? Si c'est pour aller nulle part en fait. Ah, non, je peux pas passer par... Non, mais vous êtes sérieux. Et à quoi ça servait d'arriver là, en fait? Rien. Très bien. Ah, bah, ok. Et là, je peux plus y aller non plus. Bah, c'est parfait. Bah, là, non. Allez. À un moment, ça va peut-être refaire bip bip. Et si ça m'emmène encore nulle part, je te promets. C'est quoi cette corde là? Il y a une corde qui pend. Bip bip. Je suis revenu à mon point de départ, c'est ça? Vous dites quoi? Mais de... Ah oui, il y en a un autre, parce que bah c'est un peu trop. Allez, j'aimerais bien qu'on en finisse avec ces conneries. Ok. Où suis-je? Je suis là. Je fais vraiment le tour de la map. Hein. Ok. De quoi? Le bruit. Ben j'en sais rien, ça vient pas de chez moi. Hein? Ça doit venir de chez moi, mais je mets très peu. Ça doit venir de chez toi, oui. Ça doit venir du stream ou de, je sais pas, de la vidéo. Ah bah oui, mais bon, une corne de brume. Bip bip. Non, pas bip bip.
Mais genre, il n'y a personne qui a calé quand il y a quelqu'un qui a monté une clôture géante au milieu de la forêt. Non. Personne n'a remarqué. Personne n'a vu. Personne s'est dit, tiens, il y a quelqu'un qui fait des travaux. C'était peut-être pendant la nuit, pendant qu'il dormait. Oui, enfin, il y a des gens qui patrouillent. Enfin, il y a des... Ah merde, c'est pas normal, quoi. Bip bip, il veut plus rien savoir. Ah non, ça bip bip plus là, hein, c'est fini. Terminé. Ils en avaient marre en fait de nous écouter, de dire des conneries. Ils en avaient marre de nous suivre. Alors ils ont dit ah, vas-y, laisse tomber, on se casse. Pas intéressant comme sujet d'étude. Pas intéressant comme complot. On abandonne la mission. Putain! Au moment où je dis ça, ça se remet à faire bip bip. Allez. Ok, fais voir dans quelle direction on est censé aller du coup. Sud. Où est-ce qu'on est? Eh, mais moi je suis bien d'accord, mais enfin c'est... Tu veux me faire revenir là où j'étais, j'ai bien compris, mais le problème c'est que je ne trouve rien, ma foi. Rien du tout. Voilà, là déjà, c'est déjà, ça devient faiblard. Bon, tu veux pas me laisser m'attacher, merci. Poète. Je suis revenu là, d'accord. Je sais pas. Déjà vu, I've just been in this place before. Ouais, et c'est relou parce que là du coup je sais vraiment pas où je peux aller quoi. C'est... Ah là, il y a plus de bip bip. Putain de bordel de merde. Et là, je suis censé suivre le récepteur d'ondes, sauf que bah non. Ben, c'est-à-dire que chaque fois, je tourne autour, en fait, sans jamais pouvoir atteindre le truc qui fait bip, 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 bip. Plus ça fait bip, plus t'es proche. Oui, merci. Et donc, il faut que je retourne en arrière. Et faut que je... Oui, mais j'arrive de là. Oui, mais Mule Point, je peux pas y aller. Il n'y a pas d'accès, ta mère. Ouais, non, ça change que dalle si je vais là. Non, ça change rien. Allez, avanti, mec, avanti. Bah non, c'était pas là que je devais aller. Non, c'était pas là. On va retourner vers le lac. Le lac. Il était où ce bébé, pas la con. Il était par là-bas, non? Non, là, t'as pas le droit d'y aller, Marie. Il y a des buissons. Il y a des buissons, c'est infranchissable. Quelle merde. Allez!
par là j'ai pas le droit. Ah ! Bip bip. Non. Ben oui, mais... Il me dit d'aller à l'est. Où est l'est ? C'était pas l'ouest. Et eux, c'est dans l'est. Ah oui, mais est aussi, ça marche. Tu vois, est, c'est encore plus fort. C'est qu'il faut aller à l'est. Merci. Sauf qu'à chaque fois, je me dis, faut que j'aille au sud, faut que j'aille au nord. Je... Il n'y a pas moyen d'y arriver. Donc tu gardes ta carte constamment ouverte pour que tu saches où c'est le plus précis. Bah oui, mais le problème, c'est que tous les endroits par lesquels je peux passer où il n'y a pas de mur invisible... Bah ça m'empêche d'aller là où il y a le plus de bip bip. Ça a l'air d'être vachement fort au sud-ouest. Hein. Vachement fort au sud-ouest ? Sud-est. Ah, sud-est, sud-est. Mais le problème c'est qu'à chaque fois pour arriver, il faut que je prenne des chemins détournés. Ouais. Et c'est chiant. Par là ? Non. Par là ? Oui. Non ! Ta mère ! J'en ai marre de me vautrer. Ah. Bah ouais, mais c'est là où je suis déjà allée. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Je piche pas. Bah en gros, plus il y a de loupiottes allumées, plus c'est tout bon. Si tu préfères. Merci Nettie Malik. Moi aussi j'aime bien Firewatch. C'est marrant. On tourne un peu en rond, mais c'est marrant. Et tu parles très bien français, tout va bien. On a très bien compris ce que tu as dit. Apparemment non. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il est lent pour monter, mon sang ? Donc, reprends. Sud-est. Par là. Allons-y. Oh putain, il est lent. Quand t'as le truc dans les mains, mais c'est d'une lenteur. Tu peux pas courir tant que tu l'as dans les mains. Parce que c'est trop dur, hein. Tout le monde n'est pas fitness. Mais merde, quoi. Ah ! On est pas mal, là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Et on y était déjà là. Quelque chose dans le rocher. Ouais, mais le pro... mmh.
Là, il me dit non. Mais là, on est full, oui. Je peux pas escalader. Laissez-moi escalader. Non. Oh, on va te faire foutre. Mais je peux pas aller par là, si ? Ah bah si, je peux. Super ! Sauf que je peux pas aller par là ! Ah ! Found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, you know, basics. It was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. But the fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. J'avoue. Oh, well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. Is not me. Oh my god, go. I'm going. Non, on va d'abord faire une petite pause, hein, vite fait. Allez. Simplement Bigfoot qui s'ennuie et veut jouer à cache-cache. Mode. Mais c'est peut-être ça. Activé. C'est peut-être ça. Allez, un petit café et on y retourne. Et on va aller trouver le salaud qui nous observe. Thank you.
Alors, j'ai presque fini. Ah ah. On va enfin savoir si c'est bien MK Ultra. N'empêche que ça veut dire que s'il y a quelqu'un à mon poste, ça veut dire qu'ils savent que je suis pas là. Donc ça veut dire qu'ils continuent à m'écouter ou à m'observer ou à me surveiller, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'on sait combien de temps de jeu il reste ? Je pense qu'il va pas rester beaucoup, là. Il reste une quarantaine de minutes. Ouais, je pense. Un truc du genre, une petite demi-heure, peut-être. Bon, faut que je retourne à mon truc. C'est par où ? Two Forks. Bah, c'est ça. Fire Lookout. 0,2 miles. Dans quelle direction ? Par là. C'est parti. Vite, vite, vite. Il y a quelqu'un chez moi. Je dois y retourner. Quelqu'un qui profite de mon lit, peut-être. Non, par là, Marie. Par là, par là. Yes. Qui est dans ma tour ? Qui a osé profaner mon sanctuaire ? J'en rajoute un peu. Qui est là ? Montre-toi, salaud ! Hey, is that person still up there ? No, he's gone. All right. I'm close. I just didn't want to run into him. Yeah. Be careful. I'll call you when I get up. Il est plus là, comme par hasard. Ce matin, la nappe n'était pas par terre ? Non. I don't see anyone up here. She was just there. Oui. Où est passée ma porte ? Elle est là. Il est venu récupérer les trucs que j'avais piqués. Ah, le salaud ! Un Walkman ? Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu ! Sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No. Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? C'est tout, c'est de quelle couleur est ton caleçon? Quels qu'elles sont. Bien joué. Allez. What's going on? Conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. Oui. No. Allez, on y va, hein. On va finir avec ces conneries, là. On va me saouler, cette histoire.
Quel serait l'intérêt pour quelqu'un de vouloir foutre le feu à cet endroit? Je ne pige pas. Pouette, elle est où cette foutue grotte? Qu'elle dit quoi? Elle est où cette foutue grotte? Elle est où cette petite culotte? Non, pas la petite culotte. Elle est où déjà? Putain. Elle est où? Ah, elle est là. Ah bah, tout droit. Ok. Pourquoi j'ai l'émetteur? Ben non, je vais baisser la voilà. Quand même, parce que moi, le sens de l'orientation, visiblement, c'est plus tout à fait ça. Ah non, mais là, sur le jeu, j'y arrive pas. Voilà, donc je me suis vautré. Hein. Faut que j'aille par là. Très bien. Je pige pas. Sur ce jeu-là. Mon sens de l'orientation est foutu. Ouais, non. Faut que je remonte. Est-ce que je suis sur le bon chemin cette fois? Oui! Non, mais dégage. Dégage, tu me saoules. Voilà. Oui. Allez, tu descends encore un coup. Voilà. Un pyromane. Ouais, enfin, ça fait beaucoup d'organisation hein, quand même pour un simple pyromane. Ça fait quand même beaucoup de prise de tête là. Hein. Écoute ma poule. Non. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen though. Thanks, Henry. Bon, elle est où cette putain de grotte du coup? Ah bah c'est comme si j'y étais en fait. Ok. Ah bah oui. Descendre. Hop. Zou. Allons-y. Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas que je m'approche trop de la porte pour ouvrir, c'est vrai. Une grotte. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans la grotte? Des grosses choses. Ah bah, il y a quelqu'un qui a fermé derrière toi, mon pote. Jesus. D'accord. Je peux pas faire la longue chute. Trouver la sortie. Ben moi je veux bien, mais tu me laisses pas faire là. Je me sens pas bien. Ah, c'est un peu claustro dans le genre. Hein. Oh putain. It's freezing in here. Ah oui, c'est sous terre, mec, tu crois quoi? Il y a le chauffage central peut-être dans la grotte? Il a froid? Oui. C'est quand même bien pratique et quelqu'un qui est bien,
bien taillé ces trucs pour qu'on puisse les escalader. Ça, c'est cool. Oui, descendre. Non, tu veux pas. Oh putain, voilà. De Dieu. Ouh. Ça fait bon. D'accord. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No. Someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No. There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. Ah bon? I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. That doesn't sound dangerous. Bon, je retourne à mon truc. Ah putain, bordel de cul. Tout ça pour ça, sérieux? Où suis-je? D'accord. Il est où le petit chemin? C'est pas ça. C'est pas un petit chemin. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. Hein? I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. A bunch of rocks stacked up, he made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Des pitons. Explorer les profondeurs de la grotte. Oui, bah moi je veux bien, mais comment j'y retourne? Lire. Plan de radioémetteur par Brian et Ned Goodwin. D'accord. On va le garder. Hein. Message au ranger. Cher ranger, bonjour, je m'appelle Brian Goodwin. Si vous avez trouvé ce message, c'est qu'il était... avec des ancrages, du moins je l'espère. Vous pourriez me rendre un service et les renvoyer à Brian Goodwin par la poste. Mon adresse est blablabla. Si vous me notez votre nom et votre adresse, je vous ferai parvenir une récompense. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai laissé tout ça ici. Ces affaires sont à mon père et je ne veux pas qu'il les perde. Je n'en pouvais plus de l'escalade, alors j'ai fait semblant de les perdre. Mais si vous m'aidez à les récupérer, tout le monde sera content. Merci d'avance. Ok, on va garder. Carte postale. Cher monsieur Zackler, je suis avec mon père à Lander dans le Wisconsin, c'est vraiment sympa. Papa a pêché un endroit nommé Sinks Canyon, le Wyoming ressemble beaucoup au Nebraska. Mais quand on s'éloigne un peu, il y a des montagnes et des forêts. Je suis désolé de ne pas pouvoir tondre votre gazon cet été, mais j'espère que vous avez trouvé quelqu'un pour le faire à ma place. Pourriez-vous me répondre et me dire et dire à mon père quand commence l'école parce que je crois qu'il n'en sait rien. Ok. Joueur moyen, quasi. Rôdeur niveau 4, sexe masculin, aspect viril, cheveux noirs, bleus. Truc de geek incompréhensible. Oh! Sérieux? Un vieux pot de peinture, ouais, ouais. Il s'est fait une bannière. Oh, c'est adorable. Ok. Plan de récupération de sac à dos. Ok. On garde. Dossier scolaire. Bordel. Un dossier qui contenait autrefois des documents et des rapports scolaires sûrement dégradés. Sûrement. Un devoir de science. Foire scientifique d'Hamilton, brouillon.
Étude des météores. Comment les radioamateurs peuvent utiliser les météores pour parler aux gens à grande distance. C'est génial. Un nid. Ok. Bon, tout ça me dit pas par où je dois aller. Eh ben, Kids Hideout. Ok. On y retourne. C'est par où je suis arrivé? Je sais plus. Par là? Non. Mais par où je suis arrivé? Ouais. Ça, c'est le truc du gamin. Par où je suis viendu? Je sais plus. Par quelque part par là, non? Non? Mais par où je suis arrivé? Quoi? Mais qui, quoi? Non mais je suis nul à ce point-là. Ah, c'est pas là-haut. Bah non, ça c'est le truc du môme. Mais par où je suis venu? Arrivé. Oh, je suis arrivé de l'autre côté. Crétine. So, something I never told you or anyone about Brian in regards to him being out here, you know, being oui. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump. Je sais pas où je dois aller. J'en ai marre d'avoir ce putain de truc. Donne-moi ma putain de boussole. Il y a des caillasses de partout. Ah, je suis arrivée par là. Mais je peux pas remonter, alors je fais comment? Mais comment tu veux que je fasse ça? Je peux pas remonter. Rappelle-toi que tu avais sauté de rocher. Oui, certes, mais du coup, je peux pas remonter. Je les ai trouvés, les rochers, ils sont là, mais je peux pas remonter. Voilà. Du coup, je peux pas sauter, parce que bien évidemment, nous n'avons pas la capacité du saut, hein.
Je sais pas par où je dois passer. Manquerait pas quelque chose là, le jeu? Non, parce que je peux aller de l'autre côté. Micro. Find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. Going to jail would be a nice kicker. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right.
Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. You need to call search and rescue. What? There's a body in the cave. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Ah, voilà. What do we do now, Dee? I mean, are you okay? No, I'm not. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. Uh-huh. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Quoi, c'est tout? Ah, oh, sérieux? Vous pouvez pas blesser comme ça? Non, c'est pas fini. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Vous êtes le cadavre d'un enfant. C'est ça. Ça y est, on s'en va. Au revoir. Ranger les affaires. Eh bien, ok. Voilà. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Oh. Is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? Tout cela a été relié, quoi? All this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's gotta be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, un truc qui fait bip bip. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Alright, look, if something happens... I'll remember you. Am I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Ah ouais, il est vénère là le feu là. Non. Plain West. Ok.
pas passer par là. Si, je peux. Ah putain, je peux maintenant. D'accord. Va-t-il se passer? Est-ce un piège? What's your status? Ben, je voudrais bien répondre. Putain. I think I'm getting close. All right. Well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just Brian. I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north, far, past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point in my lookout. Vous avez pas vu mon fils? Truc collé près de la vitre, près des planches. Non, je crois pas. À part le mot que nous on a mis de l'intérieur, mais il y avait rien d'autre. What the? Yeah, hi Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. Get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up. And Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out. That's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids, right? Nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him, all right? We were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. C'était un accident, mec. Having to answer questions and having to get him put in the ground and I didn't see the point. Bah c'était ton fils, merde. Don't come looking for me. Sorry about your wife. Qu'est-ce à voir avec la choucroute, mec? We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay.
Oui, mais non, mais moi j'ai envie de savoir ce qu'il y a en fait. Attends là. Où est-ce que je suis? Mais non, mais il est où le truc du bonhomme? Trail closed. What? Je peux pas aller par là. D'accord. Donc, encore une fois, je ne sais pas où je vais. Pour changer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ben, y a rien, y a que dalle, y a Chipette, y a Walou. Ah, Zizi, non, c'est juste un ordre. Je peux pas aller là. Ok, bon. Le nord, c'est par où, s'il vous plaît? Non, là, je vais au sud. Bah oui, j'ai bien compris, mais... Non. Ok, je suis encore coincée, magnifique. Je sais pas ce que j'étais censée trouver, mais j'ai rien trouvé. Faut suivre le conduit. Ben non, mais... I guess he's been dumping trash up here for a while. D'accord, c'est tout. Trappe improvisée. Voilà, c'est parce que j'avais ma carte qui était ouverte. Ah, putain, sérieux. Ah ouais. Info sur le site de recherche, comment s'y introduire au PT Station, clôture nord, entrée branlante, porte sud, retour du personnel le 10 août. Rendre l'équipement emprunté, effacer toute trace de H et D, ne laisser aucune trace. Sujet 1, 39 ans, aperçu du statut au programme, 1 semaine, 4 semaines, 6 semaines. Bordel, coupable. Mais coupable de quoi? Vieille batterie, sac de couchage, carte de la fête des pères, pour un papa méga super génial. Ouais, non, pas trop. Ah, c'est un faux donjon et dragon. Ouais, liste de provisions, je prends tout. Moi, je prends toutes les preuves que je peux, hein. J'en ai rien à foutre. Boombox looks familiar.
rigging up stolen batteries to keep his stuff going. Pourquoi elle répond plus, dit? He had quite the view. He wrote down everything he did to us. And everything he did every day. He was scared shitless. Ah. Bon bah, j'ai fait le tour. Bon, on va se la garder, hein. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Bon bah, j'ai fait le tour. Magazine pour ados. Provision. C'est quoi ça? 43 ans aperçu le statut du programme. Pff. Ok. Caractéristiques d'observation, fiable observatrice charismatique, égocentrique, perception faussée de son histoire personnelle, fait pertinent observer. Pas gré bordel. D'accord. Bon, bah on se casse, hein. On a vu tout ce qu'on voulait voir. Donc c'est ça l'histoire. Le mec voulait juste pas qu'on le trouve, quoi. Parce qu'il a, il a laissé son gamin dans une grotte. Assez horrible comme histoire. Il a foutu le feu pour les faire dégager ou... Je crois, quelque chose du genre. Très étrange. Les gens se font chier depuis qu'ils ont rationné internet à 3 gigas par jour. Non, bah, je veux pas être taché, je veux descendre. Voilà, merci. Allez, hein. Là maintenant il va falloir que je crapahute jusqu'au nord. Là. Ah, ça va être sympa. Eh bien allons-y. Parce que je suis dans la bonne direction. Est. Sud-est, sud, sud-ouest. Le nord. Où suis-je? Je suis vraiment pas tout près. Bon. Ah, on y va, hein. Et c'était pas par là, bien sûr. Si? Y'a pas une corde là? Si. C'est quand tu veux, hein, mon petit pote. Il monte. Et pourquoi il monte pas? Oui? Merci. Après, des fois, on a bien envie de les abandonner dans une grotte, les mioches. Ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses, tu sais. Et des fois, on aime bien les garder, hein. Et puis bon, après s'être donné tous mal, quand même, merde, fais chier. Quand est-ce que ça devient rentable, finalement? Hein? Quand est-ce que tu deviens rentable, toi? Soit il fait semblant de pas m'entendre, soit il comprend pas que c'est pour lui. Je t'ignore complètement. Voilà. Voilà, il fait semblant de pas m'entendre. Himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry?
You didn't do anything wrong. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. Bah si, c'est mieux quand même. Comment je fais pour aller vers le nord? Allez, arrête de m'interrompre maintenant, hein. Casse-toi. Je vais être pris dans le feu, tu vas voir. Je vais pas réussir à m'en sortir, je vais me prendre un éboulement sur la gueule ou un truc. Le jeu qui termine mal. Bon, j'en suis où là? Je vais encore une fois dans la mauvaise direction? Non, incroyable. Allez, on y va. Oui, mais non, en fait, je vais pas faire ça. Voilà. Allez. Bisous, hein. On viendra te chercher, gamin. Stop, par où je dois aller? C'est bon. Je vais tomber sur le Yeti ou qu'est-ce qui va se passer? Il va forcément y avoir un truc. XDDL. Hein? Il est où le chemin? Ah ouais, ça grimpe sa mère là. Je veux qu'il te lâche un chef. La prochaine fois, tu t'occuperas de tes affaires. Putain, grave. Non, ils vont pas nous abandonner. Enfin, je crois pas. Oh, attention, il y a de la musique. Il y a de la musique. Morale de l'histoire, laisser les enfants mourir, ça vaut pas le coup cette histoire. Il y a du vrai dans ce que tu dis. 8 km devant. Eh bah putain, ça va. J'ai pas du tout de marche à faire là, tout va bien. Non, t'es. Ah. J'ai droit à une petite musique, c'est déjà ça de prix. Ça droit devant, j'imagine que oui. Putain, je vois Chipette. Ah bah non, c'était pas là, droit devant, c'était plutôt là, je crois, j'espère. Ah bah là, en termes de perte des repères, ça se pose là, hein. Et la musique est déjà terminée. Oh mon dieu, à gauche ou à droite? À gauche. T'as 8 km à patte, hein. La vache. Merci, hein, les gars.
C'est pas par là. Je suis sûr que c'est pas par là. Elle va te faire foutre. Je m'en souviens de cet endroit, il n'y a pas de... C'est où déjà, putain? Oh, va crever, putain! Voilà. On va vérifier. Et ben voilà, on n'est pas du tout au bon endroit. On va continuer par là. On verra bien. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? C'était pas bon là. Ah si. Ah si si. Non non non. Ah si. Non, faut que je retourne en arrière. C'est très chiant, hein. C'est vraiment... c'est pas agréable du tout. Ah. Zorro machin. C'était long. Bonne nuit, Sam. Waouh, une tyrolienne, trop bien. Nice. Allez, tire mon con, hein. On peut y aller. Oui, un téléphérique. Est-ce qu'on va voir Delilah? Or not? Probablement pas, parce qu'elle a dit qu'elle s'était barrée devant. Ah! Très bien, et donc du coup maintenant? Non, je veux ma carte. On va te faire foutre. J'ai plus de carte? Bon, bah, ça doit vouloir dire que je dois aller tout droit, hein, ma foi. Waouh, c'est tout beau, tout propre là. C'est tout bien. Hello, is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red, Colorado plates. Better than whatever you drive. What do you drive? A piece of shit. Well, there you go. Although I think there's a raccoon living in yours. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash.
that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me, and I'll choose for you. All right, sure. Mm-hmm. Maybe... Maybe move to Santa Fe. Open a jade emporium with your sister. I'd be trading cute ski bombs for yoga retreat hippies, but maybe that's not all bad. Plus the margarita situation? I mean, yeah. So what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. Hmm. You gotta go see her. Yeah, sure. Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. I mean, I think you're right. When I get back, okay. Maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year, we'll roll around, and then the year after that, and then it's just, I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank. Il est où ce foutu hélico? Que je ne vois pas. Et voilà. C'est fini. C'était sympa. C'était sympatoche. Un peu décevant quand même, hein, le dénouement final. Hein. Ouais, tristounette, la fin, un peu douce amère, quoi. J'aurais préféré quand même un truc plus complot, plus CIA, plus MK Ultra, ça aurait été plus marrant. Qu'un mec qui a juste, il y a eu un accident, son fils est mort et il a préféré... rester de son côté dans la montagne, mais je vois pas l'intérêt de... Ah si, oui, c'est parce qu'il était rentré dans la grotte. Ouais. Putain, mais c'est horrible, il a laissé son gamin comme ça. Ah, c'est les photos que j'étais censé avoir prises. Sur le côté. Il y en a pas beaucoup. Ouais, je m'attendais à un truc un petit peu plus excitant, effectivement. Donc ça, j'imagine que c'est Henri. Voilà. Avec cette tête de psychopathe. Ah, Henri qui fait aussi des photos de ses doigts, visiblement. D'accord. Ah, ils remplissent aussi les trous si jamais t'as pas pris de photos. C'est bien ça.
Qui est cette personne? Qui est ce monsieur? Ça doit être lui au début. Et la bobard, c'est après. Ah non, ça c'est Ned. Et ça c'est le gamin. Ouais. Vous voyez pas l'intérêt de ramener des gens pour venir chercher son fils puis aller l'enterrer ailleurs? Ouais. C'est extrêmement triste quand même, cette histoire. Ah, le gamin était pas doué pour l'escalade, voilà, c'est tout. Il préférait jouer à Donjons et Dragons, je vois pas où est le problème. C'était sympathique, ma foi. Bien, sur ce, messieurs, dames. Nous allons nous dire bonne nuit. C'était cool de finir ce jeu. T'as presque l'impression, en voyant la tour de guet comme ça, que c'est au bord de la mer. Que si tu dézoomes, il y a la flotte en bas. Ça fait très, très Baywatch, mais en beaucoup plus grand. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Merci d'être venu voir la fin de Firewatch. Passez une bonne nuit. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye.